dans cette nouvelle vidéo. Alors on vient de partir du lac de Vassivière où on a passé deux jours super. Et là on remonte vers chez nous. Et on s'est décidé, on va aller voir le parc zoo de Rénou. Ça a l'air pas mal, c'est un petit parc. Mais voilà, ça, on a hésité avec le Futuroscope, mais c'était pas du tout le même tarif. Bah on vous emmène au zoo. Allez, générique. Voilà, au détour d'un chemin, on découvre un château. Peur. Là, tu peux les prendre en photo, les murs aussi. Regarde comme il est beau, le bleu, là. C'est comme au jardin des plantes, sauf que t'es à l'intérieur de la volière. Waouh. Regarde, c'est là, maman. Ah oui, il est comme toi, là. Il est mis par cette cadeau. C'est quoi? Les chauves-souris, ça? Les chauves-souris. Tu connais les chauves-souris? Oui. Je suis juste là regarder. Ah, elles sont en train de manger. Ils leur ont mis des bouts de pommes dans l'arbre. Oh, coucou, petite bête. Une roussette d'Égypte. C'est beau, hein? Ah, oh, elle fait la parade. Zoom. Rigolo. Coucou. Coucou, bestiole. Regarde. Un gros plan pour les voyages d'Auguste. Attends, coucou, pas. Bestiole. Regarde à la fenêtre ici. Ah bah ça a l'air d'être une agréable surprise, hein, ce parc animalier zoo. Vous connaissez pas du tout, c'est Chloé qui a vu ça sur la carte. Ah bah tiens, si on allait là. Nous on est toujours pareil, hein, on ne prévoit rien, donc agréable surprise. On vous le conseille, c'est super, mais la visite ne fait que commencer. Allez, c'est reparti. Viens. Alors lui, petit pépère, c'est le lurubu, mais noir. Tu souris à la caméra. Un petit sourire. Ça va bien, mon gars. Là, il y a des carapaces. Ah, on les voit bien, là, les petits. Des mangoustes, pas des langoustes. Et j'ai déjà touché ça. Et dans une heure, il nous reste du rat. Mais bon, là. Ah oui. Ah non. Des quoi, Thibaut? Coucou, le pont. Allez, viens, pépère. Fais un petit sourire à la caméra. Oh, c'est un petit capucin. Capucin brun. Mignon comme tout. Ouais. Il est plus beau sur la photo que là. Il fait la tête un peu en disant... Pépère. J'aimerais bien avoir un autre endroit quand même. Vous pouvez nous mettre un peu. Hé, il est là. Viens le voir. Il est très bien. Il faut faire avec ton bâton. S'il te plaît, pas tasse. Il ne fait pas avec ton bâton. Regarde les rats. Ne remonte pas, Chama. Albert qui parle. Alors, vous imitez quoi? Ah bon?
Miaou. Miaou. Bonjour. Bonjour. Waouh. Oh, les bêtes. Mais alors, Pépère qui est perché. Waouh. Coucou la bestiole. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Tu l'as vu? Il a une panthère, là. Alors, bah, du coup, on fait... Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Le cahier de vie du camping-car. On a commencé... On est parti le 28 juillet. Et donc, on est parti à gauche en sortant de la maison. Donc, on est descendu à Château-Chinon. On a fait un premier spot auprès du lac de Pannecière. T'as un truc ou pas? Non, rien. Après, on a été au Saut du Doubs. Voilà, Saut du Doubs. Après le Saut du Doubs, on est passé en Suisse. Avec Jeanne, on a appris à faire des croix. Switzerland. Voilà. Après, on a été à Neuchâtel. Le lendemain... Neuchâtel, ouais. Le lendemain, on a été au l'Athénium, c'est là où il y avait le radeau, là. Voilà. Et qui puis, partent, nous, clopes, après, hein. On a été visiter le Neuchâtel en bus. Donc là, c'est ah ouais bus. Exact. Et donc, dans Neuchâtel, il y avait un peu le voyage à Neuchâtel, comme le voyage à Nantes. Donc, il y avait des bonhommes dans lesquels on pouvait se prendre en photo. Donc, exact. Ça, c'est le dessin. Ah oui. Oui, tu peux manger. Il y avait aussi un œuf au-dessus d'une horloge, donc c'est exact. Ce qu'a dessiné Jeanne ici. Et il y avait des balançoires un peu bizarres. Ah, et oui, donc c'est voilà, vrai. Donc ça c'est le photo. Voilà. Ensuite, on a été visiter les lacs d'Interlaken et de Thun. Thun. Et c'était chouette, mais on n'a jamais réussi à trouver un spot pour dormir. Donc finalement, on a dormi dans un petit camping à Oberville. À Oberville. Et c'était le 1er août, donc Jeanne, elle a dessiné notre camping, voilà. Et là, puis... Fusée. Ah, pardon. Oui, oui. Ah, voilà, donc là, c'était les feux d'artifice. Voilà, pardon. Alors, donc, c'était notre camping. Même à Neuchâtel, il y a eu plein de feux d'artifice. Oui, oui, mais bon, on les a pas dessinés. On les a dessinés, là. Donc, On les a pas filmés, on va dire. Voilà. Donc là, il y avait des fusées, des trucs qui explosaient partout. Super, c'est vrai. Et donc Jeanne a eu l'idée de dire qu'il y avait un feu d'artifice qui dessinait le drapeau suisse parce que c'était le 1er août. Ah génial. Parce que c'était la fête nationale. Voilà. Donc, bravo, on retrouve encore une fois le drapeau suisse. Ensuite, on a pris une bonne douche dans ce camping parce que du coup, on en profite quand on peut prendre des douches hors camping-car aussi. Et on a repris notre route pour direction. Prends un mouchoir. Pour l'instant. Voilà. Et puis, du coup, on est arrivé à Lézin. Et Lézin, c'était nos premières randos. Donc, super. Donc, on retrouve la rando qu'on a faite. Donc, en fait, qui est complètement en dehors des sentiers battus. Normalement, il y a la bleue, la rouge. Et nous, on a fait la orange. Donc, on a fait un peu de tout. De la bleue de la rouge de là. On est repassé par-ci. Voilà. C'était dur. Hein. C'était dur. Hein. Je pense que Jeanne, elle a bien fait 10 km. Donc, bravo. Donc, on est resté 2 jours à Lézin. Un jour pour arriver, un jour pour faire la rando. Et puis, on avait. Là, c'était le ticket pour monter. Parce qu'en fait, on est monté en télésiège et on est redescendu à pied. Non, en téléphérique. En téléphérique. Le lendemain, on est arrivé à Trient pour déjeuner. J'espérais pouvoir faire le glacier de Trient, mais on n'a pas pu. Donc finalement, on a poussé à Chamonix. Et donc on a le plan de Chamonix. Chamonix. Quoi, maman? Voilà. Attends, on va continuer après. On va continuer le cahier de vie. Donc on a retrouvé Juliette, Anna, Laurence et David. On a mangé dans leur chalet. Et le lendemain, on a repris un téléphérique. Et on a allé au petit train qui s'appelait Jeanne. Oui, alors c'était le petit train du Mont-Blanc. Et notamment le train en question s'appelait Jeanne. Et il y en avait un autre qui s'appelait Anne. Anne, exact. Voilà. Tu veux que je te filme, Jeanne, pour le dire? Non. Oui. Oui. Bon, Chris. On a fait une super rando et tout ça. Et en fait, on a arrêté notre cahier de vie ici. Ok. Papa. Alors, on a acheté du Beaufort, de l'Abondance, du Saint-Nectaire,
Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Il m'en manque un de la tome de Savoie. Et en fait, voilà. Malheureusement, pour l'instant, Clément, ça préfère les petits Louis. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette panthère là? C'est quoi cette panthère? On est allé au zoo aujourd'hui. Ah ouais? Et je l'ai acheté au zoo. Au zoo du Rénou. Ça va faire partie des choses qu'on va mettre dans, dans le cahier de vie. Il a été au zoo aussi. Ok, bon bah alors on continue, on fait les collages. D'accord? Allez, on continue. Alors, du allez, cahier de vie du camping-car. Donc le 6, on est parti au lac d'Eda, on est resté deux nuits, on a fait des jeux. Du vélo. Une banane. Une balade. En âne. On a fait quoi d'autre? Il y a un.